Après plus de 3 semaines d'absence, le grand joueur français, le meilleur du monde, Darkbo en personne, est enfin de retour sur Fortnite. Ouais, bah du coup voilà, on est enfin sur Fortnite après 3-4 semaines d'absence, ce qui est quand même plutôt long. Voilà, donc je n'ai pas avancé. J'ai pas avancé. Vraiment, j'ai pas joué depuis 3-4 semaines. C'est... Quoi? Que? Comment ça t'y as pas joué? Me demandez pas pourquoi, j'y ai pas joué, c'est... Non, en vrai, ça fait pas 3-4 semaines, ça fait... 2 semaines, pardon. C'est pareil, c'est long, en fait. C'est long, c'est toute la durée des vacances, en fait. Donc, j'ai toujours pas avancé, je suis toujours niveau 10. Et ouais, ma vie est nulle. Ouais. Bon bah en tout cas on va essayer de faire des défis peut-être. Ou alors tout simplement de se remettre dans le bain. Parce que déjà j'étais pas dans le bain. Mais à part ça, il faut quand même que je m'améliore toujours. Et que je réussisse à faire le défi du top 1 pour une fois. Parce que c'est vrai que c'est un peu long quand même pour que j'ai le top 1. C'est vraiment très très long en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. À la limite, dites-le dans les commentaires comment vous trouvez mon niveau sur 10. Vous mettez mon niveau de skill sur 10 sur Fortnite. Je sens que mes notes vont arriver à moins 2. Donc, en vrai, je les sens arriver vers 2 sur 10. Non, c'est trop gentil, 2 sur 10. Vraiment, pour moi, si vous me mettez 2 sur 10, je trouverais ça trop gentil pour mon niveau, je pense. C'est plus du 1 sur 10. D'ailleurs, là, je sais même pas où est-ce que je vais. Je vais à un endroit au pif. Bon, j'ai sauté au tout début, quoi. Et, bon, apparemment, on est dans une... Oh, il y a des... Oh, il y a un coffre ici. Bah, on va sauter sur le coffre. On va peut-être tomber sur... Oh, enculé. Oh, quel salaud. J'ai peut-être une arme, là. C'est juste des munitions, enculé. Oh. Munitions, à nouveau. Tu ne m'as pas vu. Le salaud. Le salaud, il est où? Oh. Faut prendre le pistolet quand même. Pistolet à quoi? Je sais pas. C'est un pistolet à... Silex. Où est-il? Oh! Le salaud... Ah! Ravette! Merde. Bordel. Mais non. Je voulais tellement le tuer, mais j'ai mal visé, oui. Et par ça, il faut se rhabituer, comme je l'ai dit. Donc on va lancer une deuxième partie pour se rhabituer, parce que là on n'est pas chaud, voilà, c'est tout. Je suis juste pas chaud pour le moment, c'est tout. Il faut l'avouer, quoi. Je suis pas chaud là. À l'abordage. Ah, nous voilà. Oh, merde. Ok, je me suis un peu loupé sur le toit. Je voulais atteindre le toit, mais bah je me suis totalement foiré. Personne n'est là, personne n'est dans le coin. Laisse-moi boire ma deuxième potion. Merci, allez hop, on rentre. Il y a un mec. Merde. Je me ferme la porte à ma propre tête en fait. Il y a un... Grouille, c'est quoi ça, un arc? J'ai un arc. Les gars, attendez, c'est quoi? C'est un arc? Vraiment, attendez. What? Arc explosif. Ok, j'ai un arc. Merde. Il y a un mec là. Bon, bah écoutez. Ah, ça c'est pour viser, ça c'est pour tirer. Et clic gauche, c'est pour tirer, ok. Mec, ouvre la porte. Non. J'étais entièrement paumé comme d'hab. Entièrement paumé, putain. Vraiment, c'est le mec le plus paumé au monde. Avec l'arc. Attendez. A éliminé. Non, en plus, à l'arc. Oh, c'était pas moi qui avait éliminé un autre mec. Je me disais, j'ai vu arc exploser. Je me suis dit, oh, j'ai éliminé un mec quand même. Mais non, en fait, il était tout seul déjà. Donc, je pouvais pas, mais. Voilà, faut me comprendre. Je pleure. Non, je. Cette fois-ci, alors là, si je me rappelle bien, il y avait une bulle, un truc du genre par là. Ouf. Non. C'est plus là-bas, en fait, plus loin. Je suis pas sûr du tout.
On fonce ici, on sait jamais. Peut-être qu'on va trouver une bulle. Ou alors un autre véhicule. Ça, c'est pas sûr de savoir quel véhicule on va avoir. Et si on va en avoir un déjà. Parce que là, j'espère qu'on va en avoir un. Mais c'est pas sûr du tout. Oh, il y a un bus. Non, ok, je crois qu'il avait pas de roues. Mais non, c'est bon, il a des roues. Oh, des bandages, yes. Merde, ramasse-le. Voilà, c'est bon. Ok. Et là, on peut rentrer là-dedans. J'espère qu'il y a un véhicule. Oh, porte d'entrée. Fermons la... What? Ok, bon. J'ai un petit bug. Je suis avancé. Oh! Non. Non, monsieur. J'ai fait un autre mec là-bas. Je voulais pas du tout me confronter à lui. Et j'ai aucune arme en plus, donc... Je vois pas comment j'aurais pu. Non, il y a aucune arme là non plus. Et il va peut-être m'entendre ouvrir et fermer les portes. Non, c'est dangereux. Je suis dangereux. Je me casse. Je m'en vais. Tu ne m'as jamais vu. Voilà, dans la tranchée, pouf. Personne ne m'a jamais vu. T'es pas derrière, non. Tu me suis pas encore. C'est parfait. Pour le moment, tu me suis pas. Alors, on va prendre du bois en fait. Ouais, faut prendre du bois, c'est la technique ancestrale. En vrai, il n'y a pas de technique, non, il n'y a pas de technique pour prendre du bois. Mais la technique ancestrale, c'est juste de prendre du bois en fait, dans Fortnite. Je vous apprends quelque chose quand même. Faut me féliciter quoi. Oh! Une maison. Et elle est... Il est énorme là-haut. Bon, elle est peut-être quand même un peu défoncée. Je sais pas si c'est des vraies ruines ou si un mec est passé par là. Vu que c'est pas genre régulier, j'ai l'impression que personne n'est passé par là, c'est juste des vraies ruines. Parce que là, bon, Oh! On voit comment c'est cassé et on voit une petite mallette de munitions ici qui me donne des trucs de lance-roquettes. J'ai pas de lance-roquettes. Oh, un pistolet silex. Et là, des munitions. Ok. Bon, il y a un mec trop proche peut-être. Je sens qu'il est proche. Que, hop, déjà. Voilà, je pense que je vais mettre comme ça. Non, j'inverse. Il a l'air meilleur celui-là, même si je ne sais pas vraiment si le fusil à pompe est meilleur que le pistolet à silex. Franchement, je suis... Oh! Je vois un pont là-haut. Je me suis dit, peut-être que s'il y a un mec là-haut, on peut essayer de couper le pont. Comme ça, il va tomber. Voilà. Pour faire le salaud. Parce que ça pourrait être cool. Ça pourrait être drôle. Bon, on va y aller en fait. On va aller là-bas. J'ai envie de... Bon, le pistolet doit être vraiment... Il doit faire vraiment beaucoup de bruit. Pas forcément être puissant. Oh, il y a une autre maison. Tu vois? Ça ne va pas assez loin. Merveilleux, c'est passé. Ça ne sert à rien, je me suis juste... J'ai juste dit aux autres, hey les gars, je suis là. Venez me tuer. Mais non. Mais c'est pas le but en fait. Voilà, donc... Le but n'est pas de me faire tuer, voilà. Pour ceux qui penseraient que je suis nul volontairement, c'est pas le but. Je suis pas nul volontairement, non. C'est vraiment je suis nul involontairement. Voilà, donc c'est même pire en réalité. Nul involontairement, quoi. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a dans la vie. Il y en a, ils sont forts à Fortnite et il y en a d'autres qui sont forts à... Je sais pas en fait. Putain, j'ai vraiment... J'ai aucune comparaison en vrai. Oh, un magasin, et bah... Oh putain. Oh, il y avait une caisse de munitions juste là. Oh. Parce que là, j'ai cassé la caisse sans aucun respect. Et voilà, bon. Toi, tu ne vas plus pouvoir utiliser cette station essence. D'ailleurs, je suis en train de taper la... Je tape... Non, je la tapais pas, ok. Là, oui, je la tape. Mais du coup, j'ai des munitions en plus, là. Du fer, ok. Bon, peut-être que je devrais viser des éléments indispensables. Oh, il y a peut-être des choses là-haut. Ok, il y a un mec qui est passé. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Il y a un mec qui est passé, vu que c'est pas un pont fait par... J'entends un mec.
Je sais pas pourquoi je me balade comme ça. Ah, c'est des tirs de... Oh, il y a une bulle là-bas. Oh, putain, le salaud. Le mec a une bulle et pas moi. Hein, tu veux pas m'en faire prof... Il n'y a pas moyen de lui casser sa bulle. Mais ouais, non, en fait, ils font un combat à deux. Je vais laisser à deux, quoi, voilà. Il se tue, ensuite je pourrais peut-être faire ramasse-miettes, mais si le mec il vient vers moi, quoi. Parce que s'il vient pas, bon, je pourrais pas faire. C'est quoi ce truc là-bas? Là-bas. Qu'est-ce donc? C'est une mais... C'est un sandwich. On dirait un hamburger. C'est une maison hamburger. Non, en vrai. C'est un hamburger, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Bon, on y va, même si je vais peut-être me faire tuer. Je suis sûr, c'est un hamburger. Ça ressemble à un hamburger, vraiment. Je dis pas du mytho, c'est un hamburger. On voit de proche, clairement, la texture du hamburger. Avec devant un panda. Oh, je sais! C'est la tête hamburger de Fortnite. OMG. Et bah, moi, voilà, je la casse. Voilà, parce qu'elle est un peu moche. Non, elle est pas moche. Enfin, si, quand même, ouais, elle est quand même plutôt moche. En vrai, faut l'avouer, quoi. Pour ceux... Il y a une bulle pas loin. Alors, hop, bombe empoisonnée. Moi, je me casse. Voilà, je me... Qu'est-ce que je fous? Non! Attends. Oh! Attendez. J'ai fait une technique de turfu. C'est-à-dire que si on prend la tyrolienne et qu'on appuie sur eux... Non. Ah, c'est des... Oh, ok. Ah, c'est si on va traverser le mur que, en fait, ça nous fait retourner en arrière. Mais là... Oh, oi, oi, oh, putain. Putain, oh, amorti. Putain, yes, ça a amorti. Mais par contre, là, vraiment, je cours après la bordure. Non, attends-moi, s'il te plaît. Putain, c'est toujours pareil. Tous les jours je meurs comme ça. Tous les jours. Putain, 69 de vie. Il faut sauter dans l'eau pour aller plus vite. Allez, on saute. Y a pas de bulle dans le coin. Je serais bien content de trouver une... Il y a un cerceau. Est-ce que on peut monter dans l'anneau? 53 de vie. Non, 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 me fais pas le coup d'être... Ok, ouais, bon, ça sert à rien ce que j'ai fait. Et la bordure est vraiment très très loin maintenant. Donc, bon bah, voilà, bon bah, je vais devoir me suicider à un moment. Enfin, non, pas besoin. Je vais mourir tout seul. Et, ouais, je suis vraiment très mauvais. Bon bah, la bordure, tu m'attends ou pas, du coup? Oh, elle bouge plus! Non, me bloque pas. Laisse-moi arriver! Je suis là, Chuck! Putain. Dépêche-toi, plus que 18 de vie, 17, 16, 15, 14, 13. Ça serait trop génial de pouvoir réussir à survivre. 8, 9, 8, oh, 6. Ah, et ben, ça aurait été trop drôle que je meure juste avec un coup de fusil. Il y a un mec dans le coin. Oh putain, j'ai réussi quand même. J'ai pas assez de bois. On va se mettre. Personne ne me voit. Ici, personne ne me voit. Ah! Parfait. Oh! Il y a un mec là-haut. Mais, merde. Il m'a vu forcément. Non! Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Tu es mort. Même pas du tout, c'est l'inverse. Quand même, je suis arrivé 17ème. Faut me respecter un peu. Pas du tout en vrai. Respectez pas le 17. Tout le monde arrive premier. Respectez pas le 17. Non. Faut pas respecter cette place du tout. C'est une place trop pourrie. Putain, en plus j'ai rencontré personne, donc c'est trop pourri, il faut pas la respecter. Bon bah, après 3 échecs, donc même les parties d'échauffe, les deux premières, à la partie d'après, bon déjà j'ai rencontré un mec, j'ai fui. Et ensuite j'ai rencontré un autre mec, j'étais à 6 points de vie. Du coup c'est pour ça que je suis mort. Non, non, c'est pas que j'ai 6 points de vie. C'est juste que je suis nul. De toute manière, il m'aurait tué en à peine 2 coups.
un ou deux coups, même si j'étais full life, donc il m'aurait quand même tué, j'aurais quand même perdu. Donc voilà, bon. Vu que du coup j'étais vraiment très inactif, je vais pour la prochaine vidéo, je vous promets que j'arrive niveau 15 sur Fortnite. Sinon, je vous laisse décider du défi à faire dans la description, enfin pas dans la description, dans les commentaires. Et je mettrai en... je l'annoncerai dans la vidéo de après-demain normalement. Ouais, la vidéo d'après-demain, donc là on est... on est samedi. Donc dans la vidéo de lundi, je l'annoncerai, le défi que je ferai en vidéo. Et puis j'annoncerai aussi sur mon Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à en proposer dans les commentaires. Des défis, ça sera drôle. Vous mettez hashtag hashtag si tu perds. Hashtag si tu perds. Et puis vous mettez votre nom de défi. Donc j'en mets un exemple à l'écran. Et voilà, bon bah j'ai pas envie de perdre ce défi, du coup je sors la prochaine vidéo dans 5 jours. Donc dans 5 jours c'est alors dimanche c'est un jour, lundi c'est 2 jours, mardi 3 jours, mercredi 4 jours, et jeudi, voilà, jeudi prochain vous aurez la vidéo Fortnite. Et si j'échoue, je sortirai en plus, peut-être une semaine plus tard ou plus, ça dépendra de la durée du défi qu'il faudra pour le réaliser. Je sortirai le défi, voilà. Si j'échoue à passer niveau 15 sur Fortnite. Donc voilà, donc vous avez ma parole. Je passe niveau 15 ou alors je réalise le défi que vous me proposerez en commentaire et qui aura le plus de likes, voilà. Si tant est que je suis quand même... vraiment, je suis disposé à le faire et que je peux quand même le faire et que c'est vraiment un truc que je peux faire. Si c'est un truc trop limite, vraiment, je vais pas le faire. Donc je le dirai, puis j'élirai le deuxième Topcom à la limite. Mais du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre votre défi en description avec le hashtag... c'était quel hashtag déjà? Je l'ai oublié, bon, du coup, voilà, je le remets à l'écran. Mais du coup, avec ce hashtag-là, vous mettez votre défi. Si je perds, j'espère que je vais pas perdre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça me fait super plaisir, ça m'aide au développement de la chaîne. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc ça c'est le must. C'est génial si vous abonnez. Partagez la vidéo à tous vos amis. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss.